Je m'appelle Céline, j'ai un BTS assistante de direction et suite à des ennuis de santé, je me suis arrêtée à des stages et donc maintenant je suis bénévole. J'ai connu le 3MA grâce à un habitant du quartier qui m'a proposé de venir au 3MA, de rencontrer des personnes et de ce fait, je me suis investie au 3MA. Donc je fais du bénévolat avec Anne, donc pour le secrétariat. Je fais également partie du collectif culture, notamment des concerts tapas, également du 3 matelots. Et puis je réalise des vidéos avec Jérôme. Ben pour moi, être un bon bénévole, c'est déjà faire part d'une bonne humeur. Parce que je trouve que quand on vient au 3MA, on laisse les problèmes de côté, et puis on est jovial, on est de bonne humeur, tout le monde sourit, et comme ça, on avance mieux. Je te pose. Ensuite, je pense qu'il faut être quand même un peu curieux pour savoir tout ce qui se passe au 3MA, les différentes possibilités qui sont proposées, les différentes activités qui sont proposées, qui sont très nombreuses d'ailleurs, et d'où l'enrichissement qu'on peut avoir grâce au 3MA. Et enfin, je trouve qu'il faut avoir un bon esprit d'équipe pour qu'il y ait une bonne convivialité entre nous tous, qu'on puisse partager des choses et puis apprendre tous ensemble. Et je trouve que comme ça, on peut avancer, évoluer et apprendre de nous tous. Les gens ignorent qu'avant d'être bénévole et malade, j'ai été championne de France de GRS. GRS, c'est de la gymnastique rythmique et sportive. Donc voilà, on danse, c'est de la danse assez rythmée et on utilise des instruments qui sont le cerceau, le ballon, la massue et la corde. Merci à toi.